Jacqueline, c'est un personnage un peu fou, comme d'habitude, comme on connaît. Et au fait, un expert comptable de formation. Et je suis passionné de la marche depuis très très longtemps, de l'âge de 12 ans. Font partie de la culture chinoise et tout le temps nous dit depuis petit petit. Mes parents disent soit je dois apprendre le chinois, soit je dois apprendre à faire kung fu. Au moins un an de ça, tu es là qui pour, comment dire, je regarde quelque chose de l'héritage. Je vais choisir kung fu, qui m'ont regretté aussi peut-être. Si je fais tous les deux, je vais connaître le chinois très très bien. Bon, nous c'est réattrape nous à Stella, nous suivre pour mandarin dans son culturel chinoise et tout ça. Et bon, avec l'évolution, quand on est parti pour étudier, on continue à persévérer de mon côté d'art martiaux. Et d'aujourd'hui, on a une école d'art martiaux. Mais en parallèle, toujours, on a une passion pour la cuisine. Comme on voyageait en Chine, bon, récemment, à cause de Covid, on n'a pas eu l'occasion de voyager les derniers 3 ans. Et on est allé en Chine, chaque fois, moi, je suis allé dans l'école culinaire, que je fais mon apprentissage. Et moi, j'ai un restaurant ici, La Fangzi. La Fangzi nous fait une recette typique chinoise et la fusion des deux. Et tout le monde sait qu'une connaissance qui me prend en Chine, mais c'est partager ça avec mon chef, Alain Maurice. En tant qu'entrepreneur, bon, je partage mon temps dans plusieurs des autres activités. Et du côté firme comptable, du côté de property, cinéma, etc. Et moi, mon passion, je vais essayer d'exprimer dans mon grand jour, comme l'an chinois, et comme Dragon Boat, et Fête Lantenne. C'est ça, l'occasion là que je investis un peu plus dans la restauration chinoise. Parmi une de mes autres passions aussi, c'est un peu de la médecine. Et tout récemment, je m'involve beaucoup sur ce qu'on appelle le TCM, le Traditional Chinese Medicine. Et traditional Chinese medicine compromise de 3 branches qui sont bien importantes. Premier, c'est le côté acupuncture et massage. Deuxième, c'est le côté manger, nourriture et médecine chinoise qui est à base de plantes naturelles. Et troisième, sur le côté de qigong, tai chi, c'est préservation. Et comment se trouver le côté de qigong, tai chi, moi déjà dans ça. Là. En parallèle, je peux apprendre un peu du côté massage. Mais l'autre côté que je suis bien focus et intéressé, c'est le côté nourriture comme médecine. Et vous allez aller avec changement, l'évolution, et la tendance pour aller vers Western food, et qui ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Et, mais le problème à Maurice, ce qui me pensait moi personnellement, le taux de diabète, tout ça va la fin de monter. C'est une cross-culture. Par exemple, si nous pouvons à un repas indien, nous commençons par boire de l'eau, pour commencer par boire Pepsi et par boire Coca. Et nous boire de l'eau, nous mangeons oignons cuits, nous mangeons pommes d'amour, après nous boire lassi. Mais si nous suivons ça, tendance à net from scratch, from start to finish, nous pas cross-culture, ce repas-là is considered as healthy. Mais le problème, c'est que nous choisir ce qui est plus bon pour nous la bouche. Nous mangeons un curry épicé qui est un peu gras. Mais seulement nous pouvons se savoir que nous avons des oignons cuits et que pommes d'amour frais. Et là, nous mangeons un ice cream, un biryani, un Pepsi. Et voilà. Et le côté chinois aussi, les mêmes affaires. C'est que quand nous mangeons, nous suivons par le thé chinois qui est très très important. Et comme je te connais, nous rentrons l'année du lapin. Et je te de moi qui lapin, ce qui se symbolise. Et moi, je me disais, lapin galopé. Et je encourage tout, faire l'exercice galopé, galopé, je rapide, je suis
couché en pénal, le cerveau, la porte galopée. Et de l'autre côté, l'année du lapin aussi. Et il vient aussi, il chope. Après, bien sûr, c'est un lapin content gâté, content qui nous prend soin. Et l'autre côté, l'année chinoise, nous, du côté l'association, on est l'association d'Amateur, qui font partie d'une grande fédération, la fédération de United Chinese Association. Et sa fédération est formée il y a environ 5 ans, mais l'ITI existait avant, mais l'ITI informel. Et là, depuis une formalise ça, c'est ce qu'il veut faire. Il prend l'association de plusieurs cultures. Et nous on a, comment dire, un côté qui, le côté littérature, par exemple, et comment dire, la Mandarin Teachers Association, nous le côté Lama, sur, nous on a le côté, côté pagode, le côté lion dance, et le côté ben, vieux du monde, et nous combinons tout ça là. Tout récemment, nous avons fait un grand banquet, et qui a accueilli presque 1000 personnes. Et là, nous joignons régulièrement une fois par mois. Là, nous sommes comment nous pouvons promouvoir différentes branches de l'association. Et la fois, nous pouvons promouvoir le côté littérature chinoise. Et ça joue là, prenez un livre, prenez un Open Day, Chinese Middle School, etc. Et l'autre côté, c'est Vieille Personne, et qui dans l'association qui s'appelle Fukuxu. Et là, nous parlons là-bas, nous pouvons faire du chinois, ou soit nous pouvons préparer à manger, et nous pouvons porter ça. Parce que, en même temps, là, plan chinois, nous avons un plan pour nous autres, nous ne pouvons pas faire ça. Et le but de tout ça, là, c'est pour préserver la culture chinoise. Et l'autre côté aussi, et nous avons beaucoup de concepts philosophiques. Depuis petit, nous grandissons avec ça. Mais au fur et à mesure, on peut trouver qu'il nous peut moins l'importance. Peut-être avec nos enfants même, busy sur Internet, nous les temps qui nous passaient entre nous et nos enfants très très peu, mais pour transmettre ça, puis aller, c'est difficile. Right? Mais à travers ce gathering là, et surtout, involvement dans les jeunes. Et mon école nous involve ce qu'ils appellent le UCA Patrol. UCA Patrol nous fait un patrol de Chinatown. Comme on connaît traditionnellement, et l'année chinoise, les relais de Saint-Pétor et le chinois. Et moi, personnellement, pour cette année-là, je décide de prendre un philo Pétor Marilong, depuis là, jusqu'à là. Ouais. Effectivement, pourquoi? C'est que moi, je pense qu'après Covid, tout ça, là, il y a beaucoup de la famille qui ne sont pas, comment dire, dans la difficulté. Et moi, je suis content qu'il nous a diminué nos philo Pétor, nous sommes toujours traditionnellement, mais sa différence qu'à ça, nous ne faisons pas, nous retenons la famille misère. Et je pense comme ça, ça aussi, les poules propagent nos cultures. Pendant que nous commençons à apprendre qui était Fumpao, et c'est en ce moment, c'est un moment de partage aussi. C'est vrai, l'année chinoise, il ne symbolise pas l'abondance pour soi, mais nous avons l'abondance pour nous partager. C'est pourquoi nous donnons Fumpao partout. Okay? Et pendant l'an chinois, bien sûr, et tout le monde, surtout la famille, voici un latabron. Et pour les Chinois, on est bien important que l'IPENA commencement, l'IPENA finition. Il y a des affaires qui continuent. Et un peu de l'optique qui nous ici, l'envie, qui nous culture pour continuer pour ce entre la next generation. Mais il est bien important qu'il nous connaît aussi, ça m'a un plat qui nous servit là. Ce n'est pas une plaque qui nous prend à random, c'est une plaque spécifique qui nous a choisi. Et par exemple, poisson, il a ce commencement, ce fini sur la tête, et comment dire, c'est tout le monde qui fait flow. Tout le monde fait flow, poisson, il nage, direction courant, et nous laisse nous emporter. Flow, nous pas contre ce qu'il y a de la nature ou le destin, ou ce n'est pas qu'ils ont fait, nous adapter nous. C'est ça qui est important. Bien sûr, et si nous pouvons choisir un plat, il n'y a pas une asie de 10 plats. Hein. Il y en a presque 100 plats qui mines et un symbole. Et là, tout dépend du moyen du monde et quand c'est du monde qui se fait servir. C'est ça qui est important. Et là, nous pouvons décider qui plat pour servir. Par exemple, poisson, nous pouvons servir quand il y en a un de la table. Mais s'il y en a 100 invités, bah, alors, tout ça, un poisson frais là, de nos jours, n'est pas évident. Et surtout, nous avons besoin de poisson en la tête. Il n'y a pas qu'à servir juste filet comme ça même.
Et culture chinoise, c'est chinois, c'est un des gens qui vraiment y adapté dans n'importe qui l'environnement du métier et dans n'importe qui circonstance. We will get the best of what we have right now dans le présent. Et comment je te connais, philosophiquement, chinois, je basé sur le oneness of things. Et le, ça a mangé l'an chinois là. Et la même côte d'aveur, du monde qui plivier et qui se plus zen, tu vois, cisé autour de la table. C'est un rond qui, comme si il scelle sa bonne. C'est des peinards. Il n'y a pas de travail que tu n'as plus vieux ici, c'est au fait qu'il fait un rond. Okay? Et le respect, c'est très très important sur la table. Le respect, c'est que tant que les grands-parents parlent sur baguette, personne n'a pas bougé. C'est le grand-parent qui mange avant, là après, suivi par les parents, et là, dernier, les petits-enfants. Mais pour initier ça, c'est les petits-enfants qui commençaient pour dire. Gong gong, cette femme veut dire que grand-père, time to eat. Et le grand-père va commencer à manger. Voilà. Et pour ça, quand le grand-père il prend ce baguette, il commence à manger, les là, man petit, il commence à prendre, mais il ne va pas prendre pour lui. Il prend pour servir, man plus grand. Après, le dernier, les là, il prend pour lui-même. À Maurice Ninguer, extra sens, c'est qu'il y a policier, gouvernement tout le temps, de tout gouvernement qui vient, je ne adopte de policier pour préserver la culture. Je acknowledge la richesse de sa culture. Et pour le côté chinois, Ninguer sens, premier centre culturel chinois dans le monde entier, premier centre culturel chinois, c'était à Maurice. Et c'était. Et ça, comment dire. Nous, un honneur, comment dire, qu'il a chaîné une choisir Maurice comme le premier plateforme pour promouvoir la culture. Et à travers ça, nous ici, bien sûr, nous sommes dans Chinatown. Et nous take for granted qu'entier le monde, tout pays est dans Chinatown, mais certains pays, pénal Chinatown. Et Maurice, nous sommes petits, nous fiers qu'il est dans Chinatown. Et en parallèle, il ne faut pas nous oublier sa première génération qui s'est finie dans Maurice là. Et il y a beaucoup de souvenirs qui restaient dans Chinatown. Et dans Chinatown, une des bonnes responsabilités de l'United Chinese Association INPRA, c'est aussi pour promouvoir le Chinatown et aussi pour préserver le Chinatown en collaboration avec tous les autres affiliés. Et bon, nous pouvons plusieurs langues, nous pouvons le côté là. Et quand nous faisons, par exemple, le 3 février, nous prenons une parade qui peut être une municipalité pour finir le Chinatown. Et dans cette parade-là, nous prenons un show culturel et aussi pour une food court que tous les Mauriciens viennent l'occasion pour manger chinois. Mise en place de Vinifer, comment j'ai trouvé. Et ce qui me présente, c'est un plat très populaire qui s'appelle Fu Yang. Pour commencer, nous make sure qu'il disait plat bien batté. Quand je me batte, je vais make sure qu'il tout man blanc, il finit cassé. OK. Parmi mes ingrédients pour Fu Yang, et aujourd'hui, c'est une Fu Yang crevette. Et comment je peux trouver mes ingrédients qui sont plus importants, c'est Tizef, c'est la base du Fu Yang. Et crevettes, après ici, ils ont trouvé un oignon, laquais oignon, bambou, et carottes et shiitake. Et bien sûr, si vous avez envie de remplacer shiitake pour un champion frais, feel free, ou même oreille de bois, ça aussi feel free. Dépendant de la loi spécifique que nous avons adapté aux ingrédients, mais tout s'est créé en dedans, nous disons. Pour une fouillante, ce qui est bien important, nous disons, vous êtes moelleux.
Et pour commencer, nous faisons mettre des ingrédients qui mettent goût. Par exemple, nous mettons un peu de poivre. Après, nous mettons un petit peu de la poudre magique, MSG. Après, nous mettons un petit peu de sucre. Et un petit pochon de sel. C'est tout. OK? Et, truc en dedans, le plus important, c'est nous mettre corn flour mélangé dans de l'eau. Pour sa mixture du corn flour de l'eau là, tout le temps, on servit un ratio de 2 corn flour pour 1 cuillère de l'eau. Voilà. Et make sure qu'il se servit de l'eau fraîche. Et sinon, je vous gagne boule, 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 boule. OK? Voilà. Et le là, je prends lui. Là, je vais mettre ça. Et puis là, je mélange bien. Et pour un dernier petit truc, je vais mettre de l'huile. OK, c'est là, vu qu'il nous finit mélange, nous disait bien, nous passons l'eau cuisson, pré-cuisson, nous mettons les ingrédients. Comme je le connais, la cuisine chinoise est extra rapide. Et nous pour commencer, right? Et j'espère que je vais suivre ça. Poêlons bien chaud, la fumée. Et le truc, c'est nous faisons garder nos poêlons bien chaud et nous mettre de l'huile fraîche en dedans. De l'huile fraîche. Et nous make sure qu'il est well coated. Après, nous retournons là. OK? C'est ça qui vous fait poêlons là non-stick. Et après, nous servir une cuillère de l'huile. Et nous passons à la cuisson maintenant. Et moi, j'ai une crevette qui m'a fini décortiquer, marinée avec du vin blanc, avec du poivre, un chicken corn flour et du poivre. OK? Et walking show avec un peu d'huile et nous passons à la cuisson. Et quand crevette là, il y a trois corps cuits, nous tirons, nous mettons dans le bol pour nous compter les autres ingrédients. Et là, nous procédons pour commencer à cuire nous mettons le guide. Et nous commençons par les oignons, parce que les oignons prennent un peu plus de temps pour cuire. En même temps, nous relisons sa fève caramel là-dedans. Et nous ajoutons un peu de bambou, carottes, shiitake, et nous mettons un petit peu de l'huile d'ail. Et voilà, nous taillons nos légumes et nous prenons nos œufs. Là. Voilà. Et pendant qu'il est encore un peu cru, nous prenons la cuisson d'oignon, nous arrosons un petit peu d'eau là. Et là, nous attendons les œufs là, tremper un peu, et tout doucement, nous prenons les scoop par scoop, nous virons les. Nous virons les. Voilà. OK? Et là, à partir de là, nous mettons nos crevettes. Ça veut dire la moitié nous virer, la moitié nous laisser cru, et nous l'avons. Une crevette et nous virons ensemble en crevette. Après, pour finir, nous mettons un chicken sésame oil. Après, dernier layer, nous mettons un chicken chiao. Tout dépend, et je suis salé ou non, même nous avons à table. Et nous tournons bien un goût. Et il ne faut pas les trop overcook. Et puis, nous servir tout de suite. Et là, on a une mixture de chicken piment avec sésame seed, black sésame seed, white sésame seed et champignons. Nous mettons un chicken là et nous garnissons avec la queso oignon ici. Et voilà ma version du fuyang et mon faire de ça comme cadeau de l'année chinoise. C'est une fierté quand on trouve un nom chinois qui va nous manger, contrairement à ce qui dit, on pensait dire. Et non, c'est un chinois qui vient faire mine.
Et c'est quand nous trouvons ça dans les affaires là, Léana nous réalise que nous devons une achieve qui effectivement c'est sa promotion de la culture chinoise. Oh, yeah.